et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de Madame. Bonjour. La Couze, si vous la connaissez pas encore, mais si vous la connaissez qui pas. Connaissent pas encore, franchement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sympatoche. On va ouvrir des boîtes Harry Potter. J'ai déjà vu ce genre de petites boîtes sur la chaîne de Petit Quick et la collectionneuse, je crois, qui avait acheté ce genre de boîtes. C'est un peu comme des Mystery Minis, mais version baguette Harry Potter. Donc c'est des boîtes où on sait pas ce qu'on a et on a la possibilité d'avoir plusieurs baguettes. Et j'ai acheté ça à King Jouet. C'est là-bas qu'ils en vendent, donc du coup j'ai été faire ma petite sélection. De toute façon, il n'y avait que 5 boîtes et j'ai pris 5 boîtes. Ah, donc, tu as dévalisé le magasin. J'ai dévalisé le magasin. Donc voilà, donc on va ouvrir ces petites choses avec vous. Je vais essayer de vous montrer quelles baguettes on peut avoir. Ça se pose toujours sur la tête de Marie. C'est normal. Donc, on peut avoir la baguette d'Harry Potter, Dr. Crumb, Remus Lupin, Newt Scamander, Ron Weasley, Hermione, Albus Dumbledore, donc sa baguette de sureau, Serafina Piccheri, c'est dans Les Animaux Fantastiques, Alastor Maugrey, et Sirius Black, qui en fait a une version grise et une version normale. Voilà. Et du coup, laquelle tu voudrais qu'on ait? Enfin, que j'ai, parce que c'est moi qui ai acheté, donc je les garde après. Hein. Je les mets dans ma collection. Moi j'ai déjà Victor, en grand. Elle est pas mal parce qu'elle Victor est Crumb, elle est tordue. Ouais, elle est un... moi j'aimerais bien c'est la baguette de sureau. Je pense que je me l'achèterai la baguette de sureau quand j'irai au studio là cet été. Pardon, un mois et demi. Hein. Sans moi. Il a fallu grandir. Elle part sans moi. Bon, donc, alors on ouvre parce qu'en vrai c'est super long là. Bon, vas-y, ouvre. J'ai envie d'ouvrir. Je veux voir si j'ai la caméra. Ah oui, j'ouvre. Ouh. Ah bah déjà elle est pas tordue donc c'est pas Victor Crumb. On dirait celle d'Harry je crois. Oh. Ah c'est celle d'Harry Potter. Mais en fait ça c'est le socle. Bah regarde, on le reconnaît là comme ça. Ah oui. Ah bah moi j'ai Harry Potter. Non j'ai Harry Potter. Et du coup le truc bleu c'est le... On va peut-être prendre des ciseaux. Je vais chercher une languette pour Nyx. Ah oui elles sont lourdes hein. Elle est lourde hein, la baguette elle est lourde, elle est pas en... Je pense que je ferai une vue après, je vous montrerai toutes les baguettes alignées en espérant qu'on n'ait pas de double. Et du coup, ça se met comme ça. Ça fait un socle. Ah, oh, c'est joli. C'est joli. Je me suis dit pour la déco et tout, enfin dans ma collection, c'est pas mal. Oh, c'est trop mignon. Bon, alors, à moi maintenant. Vas-y. Oh, merde, c'est la même. Non. Attends, ah non. Ça va être les 5 mêmes, elle a pris les 5 dernières. Moi, je la déballe pas. Bon. Après tu fais des échanges sur un site internet peut-être. Je sais pas. C'est comme... obligé d'aller en racheter. C'est comme avec les... Il y a 11 baguettes au total en fait. Ouais les aimants des cordons bleus. Ah c'est celle d'Hermione. Elle la reconnaît parce que je l'ai en grande. Moi je déballe que des nouvelles. Si tu déballes Hermione. Bah enfin on va vous montrer après. On montrera après parce que... On voit pas bien sinon. On a de la déco à faire. Celle-là aussi. Je vous montre comme ça, mais je vous ferai un plan après. Pour des petits trucs, c'est plutôt bien fait. Hein. Pic. Hop, dans le socle. Voilà. C'est second one. Ah, regarde, tu peux les couler comme ça. Ah oui. À moi. Elle est déjà ouverte celle-là. Il y a quelqu'un qui a trifouillé dans les. Ah, c'est une différente. C'est celle de Norbert, de Newt Scamander. Elle est, ouais, est simple, il y a un petit truc bleu, ouais. Ta-da. C'est bien, j'en ai au moins 3 différentes, c'est cool. Ouais, je te laisse ouvrir la dernière. T'en ouvres 3 ou tout. C'est celle-là. Oui. Bon, je vais déchirer la boîte. C'est comme ça qu'elle fait aussi pour ouvrir, c'est pas quelqu'un de merde. Hermione encore. Fec. Bon moi j'en ai au moins 3 différentes. Bon bah voilà. Bon bah voilà, elle a 2 qu'elle sait pas quoi faire. Je vais les offrir à quelqu'un. Tu crois qu'Emilie ça lui fera plaisir? Possible. Bon voilà. Emilie, si tu regardes cette vidéo, je t'offrirai la baguette de Harry Potter et d'Hermione. Quand on se verra. Oh my god. Tu es gentille hein. Parce que bon, 6 euros la petite boîte hein, quand même. Hein.
Alors, super le cadeau, maintenant elle sait le prix du cadeau. Bah non, mais bon, si les gens sont intéressés pour acheter, ça coûte 6 balles la boîte, hein. Ouais, mais bon, la baguette, elle est en dur, hein. La baguette, elle est en dur. La baguette, elle est en dur. Bon, bah voilà, je vais vous faire un petit plan juste après de ce que donnent les baguettes. Et puis, bah, c'est fini pour cette vidéo, déjà. Bah, on se retrouve très vite. De toute façon, vous allez retrouver Marie dans des aventures impressionnantes. Ah bon? Bah, je sais pas. Tu qui reste une semaine avec moi. Oui, c'est en vacances. Donc, du coup... Et eh ben, on va faire des vlogs. On va vloguer. On va vloguer parce que moi j'ai déjà recommencé. Comme je l'ai dit, j'ai pris quelques jours de congé, donc on va aller se balader un petit peu. Et puis. Et puis voilà. On ira peut-être quand même. On peut dire où on va. Oui, on peut dire où on va. Même s'il fait pas hyper beau, on va peut-être quand même aller au Mont Saint-Michel. On va aller sûrement au Mont Saint-Michel. Ouais, parce que bon quand même. Voilà. Et voir l'époque. Et on verra, on ira peut-être du coup sur la côte de Granitro. On verra s'il fait beau. Bah ça par contre il faut vraiment qu'il fasse beau. Sinon, ça faut qu'il vraiment faut qu'il fasse beau et ils annoncent pas beau. Donc, parce que s'il flotte, laisse tomber, on va revenir avec les cheveux dans un état. Enfin bref, du coup, eh bien, on vous laisse ici. Et puis du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. A bientôt.